les très fausses croyances à propos de l'addiction. Les mythes à propos de l'addiction sont très courants et souvent source de confusion. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter quelques-uns, vous allez voir, il y en a qui sont pas jolis. Bon bah je vous en parle juste après ça. Hello, je suis Xavier de Goodbye Dépendance. J'accompagne les personnes dépendantes sur le chemin de la liberté et de l'autonomie. J'étais moi-même accro pendant 10 ans au chemsex et aux drogues dures, mais je m'en suis sorti grâce au développement personnel et à la spiritualité. Abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de m'en sortir. Bon, c'est quoi ces fameuses fausses croyances sur l'addiction? Bon bah allons-y tout de suite. La première, ça n'arrive qu'aux autres d'être addict. Cette fausse croyance, hein, je peux vous dire que moi je l'avais. Hein. J'étais persuadé que ça allait jamais m'arriver de ma vie. Hein. Et j'étais même persuadé que j'allais jamais toucher de cocaïne ou de méthamphétamine de ma vie. Jamais j'aurais imaginé ça. Mais non, les addictions c'est pour les autres. Bon bah tout ça c'est des conneries évidemment. L'addiction c'est un problème complexe. Hein. Il y a tellement de facteurs quoi. Ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des facteurs d'événements. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné de ma vie? Ça peut être des traumas, ça pourrait être génétique. C'est même un problème qui peut être transgénérationnel. Et donc il y a vraiment tout un tas de facteurs qui fait que vous pouvez être plus facilement addict que quelqu'un d'autre. Et même si vous répondez à aucun de ces critères là, bah vous pouvez devenir addict. Parce qu'il suffit simplement que vous créez à un moment donné cette habitude de consommer. Et là c'est simplement que le système d'habitude mis en place va faire que cette personne va devenir addict. Donc oui, ça pourrait vraiment arriver à n'importe qui, c'est tout. Deuxième point, je m'arrête quand je veux. Wow, et il est très dangereux celui-là. Il est très dangereux pour une raison très simple. C'est que si je dis que je m'arrête quand je veux, ça signifie que je m'arrête pas. Donc ça veut dire que je continue, que c'est pas un problème pour moi de continuer. Mais ça peut très vite le devenir si je crois pas que c'est un problème. Les choses qui font que je me limite dans ma consommation, c'est que j'ai conscience que ça peut devenir un problème. Si je dis que je m'arrête quand je veux, là je suis en train de dire à mon cerveau que c'est pas un problème. Et que ce sera jamais un problème pour moi. Et je pense bien que ça c'est une des choses qui m'a fait sombrer moi-même. Si je suis addict, c'est parce que je manque de volonté. Ça les gars, retirez-vous ça de votre tête. C'est faux, 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 faux. L'addiction c'est pas un problème de volonté. C'est un problème mais qui a plein de raisons. Ça vient de votre cerveau, du fonctionnement de votre cerveau. Ça vient de votre système d'habitude qui a été mis en place et de comment vous avez reprogrammé vos chemins neuronaux. Ça vient de vos croyances, ça vient de vos pensées, ça vient de plein de trucs, mais pas de la volonté. Et même dans le processus d'addiction, à un moment donné où votre cortex préfrontal va être déprogrammé pour que quand vous ayez une envie, que vous agissiez sans qu'il y ait une prise de décision. Donc non, c'est pas une question de volonté. Et justement, ça nous amène sur la fausse croyance suivante. Je suis nul parce que je rechute. Ben non, c'est pareil. Ben comme c'est pas un problème de volonté, vous n'êtes pas nul quand vous rechutez. C'est simplement qu'il y a tout un tas de processus inconscients qui font que vous rechutez. C'est pas votre faute entre guillemets. C'est certainement votre responsabilité, ça c'est clair. Mais vous n'êtes pas nul parce que vous rechutez. La rechute, ça fait partie intégrante du rétablissement. Ça veut pas dire que tout le monde rechute. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent y arriver d'un seul coup. Mais c'est plutôt rare. C'est normal qu'il y ait plusieurs rechutes, parce que c'est un processus d'apprentissage. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la rechute, alors je vous en prie, allez la voir. Bon, justement, là, à propos de cette rechute, je vous ai parlé de culpabilité. Ça nous amène sur le point suivant. Je suis une mauvaise personne parce que je consomme. Bah ouais, moi, avant de tomber dans l'addiction, je jugeais très fort les personnes qui consommaient. Bon, par exemple, les piliers de comptoir et tout, bah je me disais que c'était nul, quoi. Pareil pour les gens qui prenaient de la drogue, je me disais, mais ils sont cons de prendre de la drogue, ceux-là. Et pourtant, je suis tombé dedans, moi. Mais qu'est-ce qui me faisait penser que ces personnes étaient moins bien que moi? Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a fait penser que ces personnes sont nulles? C'est peut-être des choses qui viennent de mon éducation, qui viennent aussi de l'inconscient collectif, des choses qui m'ont été enseignées par l'école, par la télé, mais en tout cas, j'avais tout un tas de croyances qui me faisaient croire que c'était mal de consommer, que c'est nul, que les personnes qui consomment n'ont aucune valeur. Et donc forcément, une fois que je me suis mis dans ce processus-là, bah, je pensais que j'étais nul moi-même. Alors que c'est complètement faux, quoi. Et si on réfléchit, il y a certaines traditions qui utilisent la drogue pour avoir une expérience spirituelle. Comme par exemple les chamans avec la ayahuasca. Et pour eux, bah non, cette croyance de prendre de la drogue, c'est pas mal. Donc non, vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous consommez. Autre croyance, les gens me détestent parce que je consomme. Bon, c'est un peu lié à la croyance d'avant, mais... il y avait un moment où moi, quand je consommais, je croyais vraiment que les gens me jugeaient sans arrêt. Ce qui arrivait en réalité, c'est que c'est mon propre jugement que je voyais en eux. Parce que tant que je me jugeais moi-même sur ma consommation, bah à l'extérieur de moi, je ne voyais que ça. Et je pense pas que les gens me jugeaient réellement. Je pense juste qu'ils savaient pas comment agir avec moi. Comme mes proches, par exemple. C'est très compliqué pour un proche parce qu'il a pas les outils pour pouvoir vous aider. J'ai justement fait une vidéo qui est destinée aux proches. Autre croyance, personne ne peut m'aider. À un moment donné, quand j'étais au fond du trou, j'étais sûr que personne ne pouvait m'aider. J'étais persuadé de ça. Mais c'était complètement faux. Les gens autour de moi, d'ailleurs, essayaient de m'aider. Mais je voulais pas le voir, ça. Je voulais vraiment pas qu'on m'aide. Parce que j'avais tellement honte de ma consommation et de mon addiction que je voulais pas trop en parler, quoi. Et pourtant, oui, il y a tout un tas de choses qui ont été créées pour nous aider. Là, je pense par exemple aux Alcooliques Anonymes, aux Narcotiques Anonymes, qui pour moi, ça, c'est un des meilleurs moyens de se rétablir. Non seulement parce que le programme des 12 étapes est génial, mais aussi parce que vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, qui sont passées par les mêmes étapes que vous. Et ça, c'est super précieux. Et c'est aussi un espace où vous allez pouvoir vous exprimer et parler à d'autres personnes qui comprennent ce que vous vivez. Puis d'autre part, il y a aussi des psys qui ont été formés spécialement à l'addictologie, parce que c'est aussi un problème médical. Donc c'est très important d'aller consulter un médecin ou un psychologue ou un psychiatre. Il y a des personnes aussi qui sont formées au coaching qui peuvent vous aider. Et puis même vos proches peuvent vous aider, tout le monde peut vous aider. Tout le monde peut vous aider. Mais ce qui souvent fait que c'est pas possible de vous aider, c'est la croyance suivante. Si je demande de l'aide, c'est que je suis quelqu'un de faible. Bah moi, perso, je pense que c'est tout le contraire. Si vous êtes dans cet état-là, et que vous demandez de l'aide, c'est que vous êtes une personne extrêmement forte. Vous êtes très fort. Vous avez une force de dingue. Parce que vous êtes toujours vivant, malgré tout ce que vous avez vécu. Et ça, ça fait de vous une personne extrêmement forte. Bon allez, on passe à la dernière croyance. Si j'arrête de consommer, j'aurai plus jamais aucun plaisir. Bah là, quelle preuve vous avez que c'est vrai ça? Est-ce que vous n'avez pas des preuves que des personnes se sont rétablies et qu'elles vivent le contraire? Qu'au contraire, elles ont extrêmement beaucoup plus de plaisir qu'avant? Bah moi je peux vous assurer que dans ma vie maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir qu'avant. Ou en tout cas, je peux plus apprécier les petites choses. Et je vous pose la question, quelle serait la meilleure façon de vérifier si c'est vrai cette croyance? Peut-être que la seule façon ce serait de rester sobre, non? Alors, vous attendez quoi? On y va? C'est parti pour la sobriété! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la un maximum autour de vous parce que ça peut toujours aider, et puis abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater. Je vous remercie et à bientôt! Salut, salut, salut!